Ma gratitude va d'abord à nos jeunes qui, sans relâche, sont pratiqués pendant de nombreux mois pour apprendre des mots. 400 mots. Chers élèves, vous avez toute mon admiration pour ce que vous avez fait. Notre culture compte bien prospérer dans notre belle province grâce à vous. Je vous souhaite juste une grande, une bonne chance et donner votre 100%. C'est tout ce que vous pouvez faire aujourd'hui si vous avez pratiqué. Et chers parents, merci beaucoup d'avoir pratiqué avec vos enfants. La participation du CSDCEO au concours Épais-moi Canada permet d'ailleurs aux élèves d'apprendre à maîtriser avec aise le vocabulaire. Le concours Épais-moi Canada est devenu un incontournable dans le calendrier scolaire de nos élèves. Félicitations à tous pour cette belle réussite. Félicitations à vous les participants et participantes. Vous avez sûrement, comme je le mentionnais tantôt, augmenté vos connaissances et développé votre curiosité pour la langue française. Donc c'est le grand jour aujourd'hui pour vous autres. Alors je vous souhaite une bonne chance, surtout amusez-vous. Et puis, donnez tout ce que vous avez, c'est ce qui compte. Si tu aimes le français, tape les mains. Si tu aimes le français, si tu aimes le français, si tu aimes le français, tape les mains. Figurative. F I G U E A T I V E. Figurative. Correct. Déconcerté. D accent aigu. C-O-N-C-E-R-T-E-R, déconcerté. Correct. Défectueux. D, E accent aigu, F, E, C, T, U, E, U, X, défectueux. Correct. Calendaire. C, A, L, E, N, D, A, I, R, E, calendaire. Correct. Balise. B-A-L-I-S-E. Balise. Correct. Chemisier. C-H-E. M-I. S-I-E-R. Chemisier. Correct. Je remercie les organisateurs d'Épais-moi Canada. Alors, c'est une super occasion pour nos jeunes, pour la francophonie, en session minoritaire, de pratiquer. Après, j'ai continué encore plus pour pratiquer. Après l'année passée, j'ai terminé 3e place. Et à Toronto, j'ai terminé comme 6e place. Et maintenant, cette année, j'ai terminé 1ère place. Alors, merci à Épais-moi Canada. Merci à toute l'équipe d'Épais-moi Canada. Ça a été une expérience très enrichissante pour notre pays au courant de cette année. Et puis, elle a appris des techniques pour apprendre toutes sortes de mots, toutes sortes de techniques d'orthographe. Ça l'a fait grandir comme personne et comme élève en salle de classe.